Bonjour le plat, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Hier, j'avais plus de batterie, en fait j'ai pas pu vous raconter la chose incroyable. Oh my god, je viens de salir mon bon pantalon préféré. Hier, j'ai passé le dîner avec des humains. Non mais, s'il vous plaît qu'on applaudisse. Mais moi je suis choquée, normalement je passe mes dîners avec Anna Montana. Genre, on est mercredi 31 août. Pour moi, dès que août se termine, l'été est terminé. L'école commence, la nouvelle saison s'approche. Les feuilletons, l'hiver arrive, les examens viennent. Donc, l'été est fini aujourd'hui. J'ai un cours à midi et j'y vais à 8h du matin. Pourquoi? Je sais pas. J'aime beaucoup trop l'école. Je veux dire, je m'amuse. J'ai pas d'amis, mais je m'amuse. Mais je veux, ils veulent pas se placer là. Je vais me battre avec eux. En plus, mon front là. Oh! Si Big Front cherche une actrice, contactez-moi. Exactement ce que j'avais prévu hier, aller imprimer 3 millions de documents que mon prof m'a envoyé. Mais cette fois-ci, j'ai ramené la vraie clé USB. Ce qui est vraiment cool avec ce cégep, c'est que tu peux jamais te perdre. Genre, c'est impossible de te perdre. Comme je vous l'avais montré, le cégep est en carré, au milieu il y a un parc. Si tu te perds, tu regardes la fenêtre et tu marches tout droit. Tout droit, il y a des couleurs et c'est en rond, donc tu te perds pas. De tout. Comment j'ai imprimé un dictionnaire le truc. Quand tu commences au cégep, t'as déjà 5$ dans ton dossier. Chaque feuille d'impression c'est 10 sous. Donc t'as droit à genre 50 feuilles. Et après tu peux rajouter de l'argent comme je l'ai fait. J'ai fait du montage durant une heure non-stop. Pendant que le foyer, en fait, c'est le sort de café étudiant que je vous ai parlé, là où est-ce que je chill à peu près. Il était encore vide. Puis en fait, j'ai vu ma table vide. Donc, je vais prendre mon lunch et on va y aller. Après, on va aller faire ma promenade matinale parce que j'ai toujours pas marché. Et j'ai besoin de respirer l'air. Il me faut ma petite marche. Et à midi, j'ai mon cours. Je comprends que je suis venu à genre 8h du matin. Mais j'avais rien à faire à la maison. Thank you.
Aujourd'hui, c'est la première fois que depuis le début du cégep, je suis contente. C'est vraiment bizarre à expliquer, mais c'est pas parce que je connais maintenant des gens, je suis plus à l'aise, mais je suis juste de bonne humeur, juste aujourd'hui. Bon, maintenant il y a une sorte de problème avec mon gamin, c'est que je suis encore au quatrième étage. En fait, quand je clique sur le bouton là, j'appuie tellement fort qu'en fait maintenant c'est devenu que ça, genre, ça commence à filmer et ça coupe tout seul. Et ça m'énerve parce que parfois je suis en mode caméra cachée et je regarde pas droit dans les yeux la caméra. Et donc là, quand je me retourne, je vois que ça filme même. J'ai envie de m'énerver. On a une pause de 15 minutes. On est en individu et société. C'est une matière, ce que t'apprends sur l'étude des humains en société. C'est long. Je vous jure, la première semaine au cégep, elle est toujours trop bien. De l'école en fait, en général, tu t'amuses, ah c'est cool, tu trouves tes cours, t'as des nouveaux amis. Après, quand tu dois commencer à travailler, c'est plus la même chose. J'ai tout juste d'apprendre que mon dernier cours, psychologie, c'est littéralement mon cours préféré, psychologie, vient d'être annulé. C'est le seul cours que j'ai de la semaine, c'est un cours qui dure 3 heures. De faire un choix santé et de pas prendre du café à 3h de l'après-midi. Et donc j'ai pris du lait au chocolat. Je sais pas si ça compense le coup, mais dans ma tête, oui. On m'explique c'est quoi le problème. C'est la cinquième fois que je vais aux toilettes aujourd'hui et je vais vraiment aux toilettes, genre. Je vais faire le numéro 1. Je comprends pas. Chaque 3 minutes, j'ai envie d'aller aux toilettes. Mais j'enchaîne des bouteilles d'eau et je remplis chaque 3 minutes. Parce qu'en classe, j'ai rien à faire puis j'ai envie de dormir. Donc là, je me retrouve à boire excessivement d'eau. Et après, j'ai trop envie d'aller aux toilettes. Et après, j'ai envie de dormir. Il fallait que j'oublie aujourd'hui mon chargeur dans la caméra. Alors qu'aujourd'hui, je fais genre un gros vlog, genre un vlog de une journée dans la vie d'étudiant, de cégep, nanana. J'ai 10%. Je ramène mon chargeur, mais j'oublie le cube parce que je me dis, vas-y, je vais le connecter à l'ordinateur et j'oublie l'adaptateur. Voilà. Je comprends pas. Mon visage est assez critique. Il est 11h. Je vais vous montrer à quoi ressemble mon bureau. Tada! La reine de l'organisation en pleine action. En gros, ça c'est philosophie. Ça c'est philosophie que j'ai terminée. En fait, tout ça, c'est des notes de cours de cette semaine et la semaine passée que je dois reprendre parce qu'à la place de travailler, j'étais en train de faire du montage. Et donc maintenant, je me retrouve avec toutes ces notes de cours à reprendre parce que la façon dont je fonctionne, je l'avais déjà expliqué il y a 3 ans dans un vlog que j'avais filmé durant la période de Covid. Genre en classe, je recopie tout ce que le prof dit. Genre j'écris extrêmement mal. Genre c'est dégueulasse. Un enfant de 2 ans écrit mieux que moi. Et après, quand j'arrive chez moi pour réviser la matière et mieux comprendre moi tout seul, parce que je comprends beaucoup mieux quand je suis toute seule que quand je dois écouter le prof, parce que j'arrive pas à me concentrer quand je dois noter ce qu'il dit et l'écouter et le comprendre, sachant qu'il y a des distractions autour. Donc moi, mon cerveau il fait un. Donc là, quand je rentre à la maison, je me mets dans un bon mood, je me concentre, je travaille, je prends mon temps et je suis ma propre professeure. Et j'arrive à m'enseigner de la philosophie. Et j'ai fini une page sur 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. 7 pages. Une sur 7. J'étais tellement fatiguée, genre vers 10h. Et j'étais vraiment trop fatiguée. Genre, j'allais m'endormir. C'était plate. Et genre, j'étais comme. Après,
après, je me suis levée et j'ai commencé à m'entraîner. Genre, j'ai commencé à courir. Et après, j'ai commencé à faire des jumping jacks et j'ai fait des squats. Et après, j'ai comme, ok, t'as de l'énergie, on va travailler. Et après, en fait, j'avais trop mal au pied pour travailler. Donc là, je suis juste restée comme ça sur ma chaise. Voilà. Je fais comme deux dîners, je me lève à 5h du matin. Donc là, mon dîner est à 10h. Puis après, j'ai un cours à 11h. Et après, mon vrai, genre, après ma collation, ma grosse collation, elle a comme 1h. Et après, ma petite collation, il y a 16h. Et après, quand je rentre à la maison, j'ai mon gros dîner. Et après, j'ai pas assez faim pour souper à 8h parce que j'ai comme mangé à 7h. Donc là, il est 10h50 et j'ai pas encore soupé. Donc je vais y aller maintenant pour pas faire la nuit. Parce que j'essaie de toujours dormir, de manger 1 heure avant d'aller dormir. Et ce matin, j'en ai profité pour imprimer mon horaire. Donc il ressemble à ça. Lundi, j'ai rien. Mardi, 3 cours. Mercredi, aujourd'hui, 2 cours de 3h. Demain, 2 et 2. Ce matin, en plus, j'étais à l'école et j'ai regardé un TikTok qui disait que c'était la pire idée de se faire une journée de congé puis se surcharger les autres journées. Mais je sais pas si genre, je suis genre trop intelligente pour la population et que je vais arriver à gérer ça. Mais je comprends pas pourquoi si je déplace un cours dans une journée, je vais mieux travailler. Moi, je comprends pas parce que comme là, jeudi, toute l'après-midi, je suis libre. Vendredi aussi, toute l'après-midi, je suis libre. Lundi aussi, j'ai aucun cours. Samedi, dimanche, je suis à la maison. Il y a juste mardi que je suis vraiment chargée et mercredi. Mais le reste, je suis correcte. Mais bon, j'ai dit ça à la deuxième semaine. On va voir dans la 8e semaine. Ça, c'est mon moment préféré. Quand je termine une note de cours, je la... Ça, c'est ma victoire, c'est mon trophée. Ça veut dire que j'ai tellement bien travaillé que je peux écraser ma note. Et là, je la lance dans le panier de basket. La plupart du temps, ça fait ça. Elle a fait des cours de basket durant un an et c'est pas tiré dans sa poubelle. Wouhou!